Jeudi, c'est lundi 8 mars. Bonjour, bonsoir Haïti. Bonjour, bonsoir à la diaspora. Bonjour, bonsoir internautes, toutes fidèles branchées plateforme ça. Moi content ensemble avec nous. C'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connu en de Fokem pour nous rentrer la caillou. Pour partager avec nous toutes nouvelles, toutes informations qui a bouleversé la ville pays d'Haïti ou à l'étranger. Nami Kouva la Kaila, c'est toujours serviteur aux amis, merci Dieu. Et toute équipe là déjà mobilisée, nous pourrons faire une transmission journal Mega Matin, Mega, c'est Pigo Réseau Radio, Haïtien qui est sous la terre béni, avec staff nouvelle là, information yo, sous pays d'Haïti. Wakiti, Radio Mega, Pro Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride, là, dans États-Unis. Journal qui rentre dans la caille. Déjà, nous avons tout bonne semaine d'informations sur Antenne Radio Mega. Et micro-présentation, moi-même Jean Wilner CVAK, Daniel Daniel, touche technique, Marcel Joseph. Lundi 8 avril 2024, amis, tout partout, toute équipe là très contente ensemble avec vous pour porter la caillou, notre travail, tout partout dans le monde là, journal Mega Matin. Mais quelques principales informations n'a bien pour nous développer dans le journal la matin, une éclipse solaire prévue pour jeudi, dans l'occasion, Société Haïtienne Ophtalmologie, ma des populations, pas garder soleil là qui a gagné gros impact sujet. Gayen docteur France Lage li attire attention société a sou raté médicament pour G pour diabète qui pralera sous marché à cause différents dépôts médicaments nèg avec Zambi. Bandi responsable dans premier l'église Baptiste Port-au-Prince confirmé bandi au saccage local yo dans rue de la Réunion bandi au porter à des systèmes son matériel informatique et latrier. Alors ce que un espoir pour reprise vol dans la capitale haïtienne, le département d'État annoncé. Il y a un vol spécial pour Américain, le 12 avril 2024, qui est venu là. Tout un ressortissant qui veut échapper pour lui, doit contacter l'ambassade là, pressé, pressé. Gagné pendant tout le week-end, la police a troqué connu avec bandit dans la plaine. Il y a plusieurs qui tombent dans une tentative désespérée pour prendre contrôle de base Bible. Enfin, nous dit vendredi passé, le directeur général PNH La France, LB, était visité policier dans la zone Sayo, il était passé dans base Bim, Chita Pali avec commissaire responsabilité Sayo Charles Mono. Gagné autorité Salvador qui continue de manifester volonté pour supporter combat contre sécurité dans le pays d'Haïti. Amis auditeurs, Salvador paré pour transférer dans le pays d'Haïti contingent militaire qui a gagné dans le pays. La police récupéré tout pendant un week-end dans un bateau bandité volé sous la mer avec une cargaison durée dans l'opération Garçon Conson, Force L'Audio, récupéré bateau ça avec divers bandits qui tombaient. Allez, dimanche, finalement, différents sites qui forment le conseil présidentiel a signé un accord qui portait non accord politique pour une transition pacifique et puis ordonnée. Selon le document, ça, le conseil, mandat conseil, là, bout à 7 février 2026. Alors, ce que diverses organisations politiques qui a pas mis au congrès Wanamet Kopol renouvelé engagement yo dans cassation comme solution crise là estricti ça yo annoncé au fait choix juge Barthélémy Altenor juge qui pi ancien en cour gain pourtant mouvement populaire la jeunesse qui croyait même tout dans application constitution 87 là mais yo a plié choix président en cour cassation juge Jean-Joseph Lebrun. Amis auditeurs, ces points ça yo avec divers les autres qui pourrait faire essentiel journal la matin mais pas oublier n'a pour nous traverser avec vous. Même exercice là dans le journal aujourd'hui, on va connaître combien vous avez besoin pour capable acheter $1 américain. N'a pas pour porter pour week-end capsule santé red branché n'a tourné. J'ai annoncé ça dans le titre journal là à cause éclipse solaire partielle qui est annoncée pour Haïti jeudi en Société Haïtienne Ophtalmologie recommandée à la population pour pas fixer soleil là pendant toute durée éclipse là. Ça qui veut garder éclipse là doit gagner lunettes spéciales filtrantes
à Société haïtienne ophtalmologie rappelé rayon infrarouge ak rayon ultraviolet capable la cause lésion grave et permanente nan niveau rétine chaque monde qui a regardé amis auditeurs éclipse solaire partielle ça lunette soleil pas protégé adéquatement contre éclipse solaire faut gagner lunette qui répond à norme OIS 12-312-312-2 d'après Société haïtienne ophtalmologie. L'autre information dans le journal Haïti APCB, toute qualité violence Kounia, c'est au Port-au-Prince capitale haïtienne. Vol rapatriement au gouvernement américain était organisé qui te permet un pile citoyen quitter pays. Un peu fini 12 avril 2024 à Capéville. Mouvement diminué, option pour Américains qui voulaient quitter pays. C'est au parce que vol international, le Port-au-Prince était campé face avec attaque nèg avec Azam dans la capitale haïtienne et surtout sur l'aéroport. Gagné Sunrise Airways, une compagnie avion haïtien, c'est Kounia, celle lui-même qui kembe. Il y a un lien commercial direct entre Haïti et Sud Floride là après suspension dans service par gros compagnie avion américain yo aéroport Port-au-Prince fermé donc Joukounia n'a pas rappelé plus passé 300 citoyens américains déjà utilisé service rapatriement en plus de ça situation Haïti a été précaire à 15-7 et puis fait vol rapatriement américain yo ajouter plus complexité dans crise là ben pays a pe connait là pour citoyens américains yo même qui t'a remet ben quitter pays pour capable aller aux États-Unis d'Amérique donc responsable annoncé donc vol rapatriement ça yo il a pas campé sous pays 12 avril 2024 capé vinn là un citoyen américain qui t'a remet quitter pays doit contacter responsable américain yo précis non nous poursuivre avec information yo amis auditeurs dans journal là on vit avec information ça côté pendant week-end là la police récupéré un bateau bandit volé un bateau qui était chargé avec manger là-dedans et nous prenons au plus détail dans journal là gain coordination presse à relation publique Gadcote qui récupéré un navire transport marchandises qui les Magali CPNH avec support APN qui récupéré navire ça t'a transporté marchandises après les fins quittés pour varuer avec un cargaison dirigé jeudi 4 avril là Negaxam qui fait partie gang ISO Jeff Canaran mais ont détourné bateau ça et la police t'a récupéré le samedi 6 avril là avec soutien logistique autorité portière nationale après puis passé 5 manœuvres avec gros combat qui engagé par unité intervention garde-côte police nationale d'Haïti mais la police rivé par neutraliser plusieurs bandits puis fait état malheureusement deux policiers qui blessés dans le cadre d'opération Sila. N'a pas toujours été dans le cadre dossier ça n'a pas rappelé l'après-midi samedi 6 avril 2024 là agent garde côte mené opération dans zone minoterie côté récupéré un bateau nèg avec azam té détourné avec plus passé 60 000 sacs duri dans cadre d'opération Sila. Divers bandits tombés ça té la cause route nationale numéro 1 t'es bloqué dans niveau minoterie rivé jusqu'à Canaré à cause d'un pile coup de balle il t'a tiré dans zone ça yo selon information yo bandi yo t'es déjà prend divers du riz ça yo on écoute Pascal Fleurissil depuis Yakaye pour plus de détails. Agent Gadkotio mené opération samedi 6 avril qui s'est passé à dans zone Canaran côté récupéré yon bateau nèg exam té détourné depuis jeudi qui s'est passé à ak plus que 60 000 sacs d'iri situation ça té la cause en pile panique sur route nationale numéro 1 depuis minoterie rivé jusqu'à Canaran bandi yo tap touke konyo avec la police ça quitté la cause transport public lan té paralysé sur route si la machine qui tap sorti commune Akaye ak Kabareyo pour mettre tête dans capitale pays ak zone qui vironnel yo oblige
obligé bloqué depuis dans zone sous matla rivé titanien en pile nan yo c'est dimanche 7 avril là yo réussi rentrer la caillou selon toute information nous capable faire confiance bandi sa yo qui acheté zone ça l'argent comptant te commencé piller bateau a puisque yo te déjà prend environ 10 000 sacs diri la donne n'a signalé dans cadre opération si là en pile bandi bois de l'eau bouche yo depuis arrondissement Akaye Pascal Fleuristil pour Radio Méga. Merci Pascal Fleuristil qui zami auditeur tabanouyon idée qui j'en satay suite avec opération la police té mené avec un bateau diri groupe membre gang Izo ak Jeff Canaran détourné côté té chargé duri la danse ami auditeur ben la police t'a pral mené opération pendant week-end nan pour capable prendre un bateau a zami auditeur n'a rappelé bateau sale t'est intercepté dans la mer jeudi passé. C'est les examens qui t'est pris. Samedi, Gatcoute d'Haïti t'est récupéré. Le bateau Saki, les Magali t'a transporté 60 000 sacs d'iri avec une dizaine de passagers. Bandio t'est envolé 10 000 sacs d'iri parmi 60 yo. Yo pillé barlan bateau a et puis kidnappé tout le monde qui était dans le bateau a. Même membre équipage là qui, d'après information, toujours dans le même bandio bateau à Magali a été sorti à PN Port-au-Prince pour aller cap haïtien pendant l'opération ça. Plusieurs bandits bois de l'eau bouche yo dans échange coup de balle avec la police et au saut tendé yon circuit avec correspondant nous Pascal Fleuristil depuis Akaye zami auditeur à côté de ça gagné responsable la police là directeur général PNH la France LB qui a fait une tournée là dans commune Croix-des-Bou dans commune Tabar pendant week-end là t'a gagné avec lui directeur central administratif là inspecteur général France Mathurin une tournée dans juridiction Tabar qui t'a fait 5 avril pendant tournée ça DG France LB t'a visité base à corps brigade d'intervention motorisée qui trouvait la clé s'était profité pour échanger avec commissaire divisionnaire Mano Charles responsabilité spécialisée ça de l'autre côté commandant chef PNH a été rendu dans commissariat commune Tabar occasion t'a chita parler avec commissaire municipal Grantier Livenson responsable commissariat avec agents policiers pour féliciter yo pour sens de voix yo et puis encourager yo davantage dans lutte contre grand banditisme sous toute forme après et tourner ça directeur général Fonsel B renouvelle l'engagement police nationale d'Haïti pour établir l'ordre à la paix dans pays dans l'idée pour faciliter libre circulation paisible citoyen n'ay avec un ami pas chômé dans la capitale haïtienne c'est pasteur à première église baptiste Port-au-Prince yo même qui confirmé nouvelle là dans mon note nèg avec un ami au saccagé l'église là qui paraît triste et révoltant en tant que direct nèg avec un ami contre l'église là depuis dimanche 24 mars 2024 là continué donc il y aboutit semaine ça avec pillage l'église là c'est ça pasteur à l'église là écrit responsable l'église là il a affirmé que espace prière nèg avec am rentrer là-dedans et porter aller tout ça yo joine comme équipement sonorisation projection informatique ventilation pour une cité ça yo seulement ça paraît triste et dégoûtant et même choquant dans phase ça nous rivé là donc pasteur à l'église première église baptiste Port-au-Prince là il invite fidèle yo pour fréquenter si c'est possible l'autre espace prière qui puis pour show ou bien suivre ben culture grâce avec internet donc jeudi a face avec attaque neg avec examen dans pays a rien pas épanier l'école l'église université l'hôpital pharmacie pour ne citer ça yo seulement n'a poursuivi avec information yo dans journal la zami auditeur en nous vini
avec question trafic d'armes dans cap haïtien. Ben la police arrivée identifier deux monde qui impliqué dans dossier ça et gen mandat rale mené vini qui lancé compte moun sa yo. Nous parle ba ou plus détails dans un journal la zanvi auditeur. Nous ba ou plus information dans journal la saisi zame ak munition dans cap haïtien. La police a cherché activement des individus pour implication yo dans dossier ça suite avec importante saisie zame ak munition qui était faite vendredi 5 avril dans le port cap haïtien. La police nationale a lancé avis de recherche contre Wilman Jean ak Batol ainsi connu pour implication présumée dans trafic zame ak munition. Selon information la police dispose nos amis auditeurs qu'agison zame ça ti souti état États-Unis via agence Alliance Internationale qui est destinée pour Wilman Jean, commissaire en douane qui fête 29 janvier 1984 alors que Bartol ainsi connu lui-même était là pour être capable de recevoir cargaison ça. Pendant une opération la police était menée en tête collée avec agent brigade surveillance douanier en support avec douanier yo enquêteur détachement nord BLTS DCPJ qui affecté dans autorité portière nationale dans commune cap haïtien te fait une fouille ciblée dans niveau cap haïtien terminal dans niveau cap terminal SA cap haïtien qui dans un conteneur immatriculé cossu 46 1487-6 pendant fouille ça qui était trouvé, il était découvert dans deux boîtes en carton forme cubique couleur belge qui portait numéro 75 là-dedans. Il a saisi 26 armes parmi 12 fusils AK 14 pistolets, 999 cartouches, 34 chargeurs. N'a noté avant même découverte armes sayo, Wilman Jean était sauvé et mon qui t'a pu se voir collé à savoir Barton ainsi connu les mêmes tout étant sauvé mais actuellement yo tout de à cavale et puis la police a cherché sous l'ordre d'un commissaire gouvernement juridictionnel là un juge de paix assisté un greffier un maître venu pour être capable faire constat légal opération si là. L'autre dossier dans le journal là, toute malade qui sous médicaments pral gen problème parce que bandit avec un arme saccagé, tout stock médicaments dans le pays. C'est en tout cas déclaration docteur Franz Lage qui lance son cri d'alarme. Ben, société a sous dossier sa situation, ça, ses conséquences. Vagabond à col qui a alimenté gang à meilleur pour craser pays. D'après docteur Franz Lage qui dénonçait groupe Mounsayo qui saccageait résidence privée li, nous a gagné pour nous venir avec docteur France Large, lui-même qui parlait dans le micro Jean-Philippe Marseillan sous dossier ça. Mais entre-temps, j'en dis là, gagné Neg avec Zam qui continuait lui-même à essayer fait des attaques sous un pile côté dans le pays, spécialement un pile espace dans la ville là. Je dis à côté activité paralysée par rapport nèg avec Zamio, il y a pas épanier personne. Même si c'est université, yo attaqué l'hôpital, pharmacie, magasin et dernière date c'est première église baptiste Port-au-Prince. Encore on est avec Zam, continuer avec Zach Piaggio. Donc c'est quand même une situation qui est extrêmement difficile dernier temps ça dans capitale haïtienne. Mais je ne dis rien à bien pour venir avec docteur Franz La. Dans le journal là, lui-même encore qui parlait. Je pousse à la plupart d'ailleurs pour faire nous réaliser. Quel que soit notre niveau, quel que soit problème personnel, quel que soit divergence qui me tague avec un monde. Mais on parle des bibliothèques nationales qui sont patrimoine. Qui ça me tague avec une bibliothèque nationale, même si on a des divergences avec un groupe politique ou bien un groupe économique dans le pays. Tout groupe économique qui a passé, tout groupe politique qui a passé, mais bibliothèque nationale là, après était là. École nationale des arts. Donc, nous, ils comprennent que c'est vrai, ils ne peuvent pas apprendre haïtien pour le remettre pays, mais nous-mêmes, tout comme haïtiens, international là,
et gain participation pâle, mais moun qui gain responsabilité à ces haïtiens. D'abord, c'est haïtien d'abord qui manque moun, c'est haïtien d'abord qui c'est res moun qui pas gain dimension et puis c'est yo toujours gain chance rivé dans tête l'état. Ouais, c'est yo même c'est son équipe qui pas gain dimension, son équipe qui pas passer dans l'école politique et c'est yo même là toujours acheté pour l'école politique. Si je dis Haïti qui arrivé là dans niveau nous là, nous d'accord avant de parler des blancs, quel que soit les États-Unis, qu'il était Canada, qu'il était la France, qu'il était Saïoué, les République dominicaine, il va représenter rien devant Haïti en termes d'historicité, c'est parce que nous pas de monde dans le pays. La majorité de monde qui a chance, rivé sénateur, rivé député, rivé président, et spécialement la présidence, ce sont des restes de monde qui pas apprendre qu'on a Haïti, et puis depuis le blanc, libéré depuis le blanc, tête liée. Donc, nous pensons aujourd'hui, si nous avons des Haïtiens et qui sont patriotes, je dis, nous allons parler, il y a fait assaut sur le palais national. Nous allons parler, il y a fait assaut sur de l'école qui forme des générations dans le pays. Je dis, si nous avons chita là, pour nous parler dans le micro, pour le peuple abtenir, nous, c'est parce qu'il n'était pas à l'école. Donc, si nous venons à un niveau, ça, encore une fois, pour même ça nous gagne comme bien, ça nous gagne, minimum que nous gagne, chaque jour, nous gagne, écraser la brise, mais dis-le là-dedans, et je ne sais pas le phénomène, mais dis-le à côté de ce type. Depuis, nous passons à côté, nous écraser, nous bouler, et puis nous mettons dis-le. Même, nous avons besoin d'un sociologue ou bien un anthropologue pour venir expliquer question ça. Question que mettez, dès que vous passez à côté, il faut mettre dis-le là-dedans. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est parce que nous pas gagné des Haïtiens qui patriotes, et qui va apprendre à protéger le pays. Malheureusement, nous avons des ministres de l'Intérieur qui pas connu Wallio. Nous avons des ministres de Défense qui pas connu Wallio. Ministre de Défense, là, nous avons pouvoir depuis sous Jovenel Moïse, jusqu'où il y a là. Pour qui résultat, ou pas connu. Et puis le pays a crasé. Ministre intérieur, même genre. Ministre intérieur qui t'a supposé occuper de la sûreté et l'intelligence de la nation. Voilà, vous avez écouté là, Jean-Pierre McEnlove dans le journal là, on a toujours été ensemble avec lui, mouvement populaire ou la jeunesse. Il croit qu'il y a le problème, pas qu'à résoudre la sécurité dans le pays. Mouvement quoi plutôt, les policiers vont y avoir force la meilleure qui est capable de résultat. Mais il faut qu'international accepte des moyens pour acheter matériel sérieux pour force l'audio à seulement 400 millions. Le pays est capable d'atteindre l'objectif ça. Ça, c'est pour international là, Jean-Pierre McEnlove. Love. Non, nous pas besoin. Si c'est pour Kenya ou que tu as pour venir bon, Kenya ou un problème de sécurité peut-être pas. Comment que eux même qui vient ban nous sécurité sur un terrain que vous pas connaît. Moi pense que la police nationale d'Haïti, alors on va parler de ou état-major qui là, ban qui va pour là cap toucher pour grand sinon. Nous pense que la police nationale d'Haïti qui sorti dans entrailles population, qui c'est petite population, il y a des vaillants policiers jusqu'à nos jours qui d'accord rete en Haïti pour faire force, pour faire face carré plutôt avec ces messieurs amis. Il y a des policiers qui d'accord rete dans le pays malgré Jean Saïe pour faire force à ces messieurs amis. Yo croit que yo sont capables de faire contribution par eux. Même Jean pour question l'armée d'Haïti, moi pense que si nous utilisons la police là à bon escient, force internationale, tant que Canada, États-Unis, la France, pour ne citer trois ça seulement, pour ne pas dire qu'on groupe là. Si vous êtes d'accord, comme c'est vous-même qui contrôlez là, mais si vous contrôlez la police, si vous êtes d'accord, contribuer avec nous, Haïtiens, pour nous résoudre le problème, non. Pour contre nous, nous capables. Premièrement, nous n'avons pas besoin de 600 millions de dollars pour que quelqu'un vienne en Haïti pour résoudre le problème. Nous avons besoin seulement 400 millions pour acheter matériel pour la police, pour l'armée d'Haïti. Et nous parler avec quelqu'un dans la police là, nous parler avec quelqu'un dans FADH, et qui dit nous 200 millions de dollars pour acheter matériel, pour nettoyer le pays. Donc, automatiquement, nous avons la police, nous avons l'armée d'Haïti, qui considère que nous devons faire une contribution paille dans résoudre le problème d'insécurité, c'est ce qui n'a pas besoin de force internationale. Internationale, là, mettez-nous nos niveaux. Pour faire nous comprendre que c'est force là qui est importante, c'est force là qui est nécessaire. Mais c'est pas vrai. Alors je dis quoi, je me sens comme petite Dessaline. Comme je me sens comme haïtien qui gagne 100 Dessaline qui a coulé dans 20 mois, et puis qui prend le vini là, qui prend le toucher plus que 6 000 dollars américains. On sait que police est gagnant, qui prend le toucher 6 000 dollars américains, et puis qui prend la police nationale qui prend la compagnie, et puis le gars de ça, la police nationale là lui-même, il va arriver dans 50 000 gouttes. Ça serait signé. Donc, nous avons besoin de moyens pour nous doter la police nationale des matériels qui sont nécessaires et qui proportionnent la sac souterrain, même avec la ville d'Haïti, et avec la population, si nous sommes d'accord
je dis une situation. Camogéléa, tout haïtien conscient, spécialement la police, l'armée et la population, nous capables de mettre sécurité dans le pays. C'est pas la sécurité qui ça lié. C'est un construit qui mène nous là-dedans. Nous tellement irresponsables en tant que dirigeants, en tant qu'hommes politiques, parce que la majorité des gens qui passent dans l'État, ils ne sont pas hommes d'État, vrai, ils ne sont pas hommes d'État. Pas rien pour un homme d'État, parce qu'il y a une grande différence entre un homme d'État et un homme politique qui contribue avec nous. Donc, nous sommes tellement sentis confortables parce que nous avons des gens qui sont dans l'État, qui ne sont pas responsables et qui ne peuvent pas apprendre une question dirigée en quel côté. Yo donc les vont bon matin on tweet météo ou bien on parole qui fait un monde plaisir ou bien on fait chantage au monde et puis yo mettent l'on poste dans l'État avec condition qu'il est capable de vendre pays et puis vous entendez c'est lui même qui député c'est le sénateur c'est le ministre mais un homme d'État qui veut dans tête en l'État qui est responsable dévoile c'est assumer responsabilité envers peuple contrairement avec Jean Ariel humilier pays à marché international là donc question insécurité à l'éclair. L'armée, la police, par rapport avec moyens qui proportionnels avec terrain là, nous avons résolu le problème de sécurité. Parce que nous avons plus que 12 000 policiers, nous avons 5 000 à 6 000 personnes dans l'armée. Donc ça, c'est suffit avec 1 000 policiers kenyans. Nous pensons que nous avons résolu le problème entre nous-mêmes haïtiens.